Coucou tout le monde, aujourd'hui on va jouer à WitchHand qui est un jeu de deck building survie. C'est un peu dur en fait à le mettre dans une case, hein. C'est un genre encore un peu nouveau. Si vous connaissez Stacklands, vous n'allez pas être dépaysé, donc c'est une sorte de city building, deck building, jeu de cartes. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. C'est développé par John Nielsen que j'aime beaucoup, c'est le développeur de Novaland que j'ai également fait un vidéo je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais vous expliquer comment le jeu fonctionne. Donc nous sommes la sorcière, on a des points de vie, ça je vous en parlerai après. Avec la sorcière, on peut faire des actions sur les cartes qui permettent des actions. Donc par exemple, là je peux la mettre sur exploration et elle va explorer. Je peux également augmenter la vitesse. Et l'exploration va me donner des nouvelles cartes. Petit à petit, je vais avoir plein de cartes en fait, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc il faut que je vende certaines cartes si je veux avoir un petit peu d'argent. Mais avant de vendre, déjà je vais mettre sur le dépôt de cristal pour récupérer encore plus de cristaux. Donc je vais vendre ça avec 3 Star Drop Coins, donc avec 3 argent, je vais pouvoir également explorer. Ça sera vraiment génial si je peux explorer en plus parce que ça me donnera encore des nouvelles cartes et ainsi de suite. Voilà, donc là c'est plutôt bon. Je vais acheter une carte d'exploration. On va passer notre journée et je vais explorer à nouveau. On a voilà, un dépôt de cristaux, ce qui est plutôt bien. Une plante qui va me servir à notamment des sorts, je crois. On verra ça également. Alors si la nuit arrive et que j'ai pas d'ennemis dans le coin, notre nuit se passe tranquille, ce qui est plutôt bien. Je vais vendre tout ça, je vais acheter encore une carte d'exploration. De toute façon, au départ, c'est bien d'explorer un max. Et c'est bien aussi d'avoir de l'argent. Je vais cliquer droit en fait pour bloquer l'emplacement. Tiens, une carte forêt. Avec la carte forêt, attention, je vais mettre sur pause pour vous expliquer. On a des cartes biomes. Avec les cartes biomes, que ça soit forêt ou une autre, hein, ça peut être montagne, prairie, etc. On peut créer notre petite maison, on peut créer un village de sorcières, mais pour cela, il me faut quelque chose. Il me faut une carte beacon. Sans la carte beacon, je ne peux pas créer le village. Mais je vais placer ça et je vais placer ma petite sorcière et on va créer notre premier village. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc c'est vraiment un genre intéressant, hein. Moi j'avais adoré Stacklands. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, il y a une vidéo de Stacklands sur ma chaîne. Ça c'est sûr. N'hésitez pas à aller la chercher parce que franchement, ça pourrait vachement vous plaire si vous aimez ce type de jeu. Donc c'est l'idée de créer un village à partir de cartes. Donc c'est presque un city builder mais pas vraiment. En tout cas, c'est plutôt cool comme genre. Alors, donc ici, je peux mettre des cartes. Par exemple, si j'ai 2 cristaux, là, je peux faire une carte d'alchimie. Et ça va me donner quelque chose de spécial. On va augmenter la vitesse. Je vais la laisser faire. Là, j'ai plus beaucoup d'argent, hein. J'ai pas grand-chose. Là, il n'y a pas de menace cette nuit. Encore heureux, ça fait plaisir. Alors, la carte alchimiste. C'est une source de potions constante, mais il faut la mettre sur un slot, sur un endroit dans le village. Donc ça, c'est fait. Le village, je vais le bouger un tout petit peu. Je vais mettre un peu plus haut et je vais le bloquer là. D'accord? Pas qu'il me dérange. Donc là, cette carte, ça va me donner des potions. Et les potions, je vais ensuite pouvoir les dépenser ici. Des points de potion et ça va m'ouvrir le choix à des nouvelles cartes. Par exemple, j'ai déjà plusieurs cartes de potions possibles. Par exemple, j'ai pas forcément des potions, c'est des sorts, pardon, parce que moi je dis potions. L'alchimiste va me donner des potions et avec les potions, je vais pouvoir débloquer des sorts. Voilà, je pense que j'ai été plus claire cette fois-ci. Celle-là, je n'ai plus besoin puisque j'ai déjà l'alchimiste. J'ai quelques sorts là et le familier aussi, hein, donc je vais les bloquer. Pour ça, il me faut 3 mondrops et ma sorcière et on n'a rien de tout ça. J'ai pas de mana non plus. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment utiliser quoi que ce soit. Mais je vais laisser les choses se faire. Et on va peut-être vendre des choses. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vendre. Ben, je pourrais vendre de... du cristal, etc. On va faire ça. Parfait. Et par contre, on a une lettre qui vient de la maison. On a un message. Et le message, il dit quoi? Il dit qu'il faut que je gagne en force. Ça, je vais vendre. Ça me donne d'ailleurs un petit peu de points. Ça aussi, ça me donne la potion. Tiens, ça serait bien d'apprendre l'extracteur de mana. Mais il me faut 2 cristaux pour le faire. On n'a pas encore tout ça. Je vais vendre un reagent. Voilà. Et acheter une carte d'exploration. Je vais laisser ma petite sorcière. Donc le coût des sorts augmente au fur et à mesure qu'on avance. Il me faut 2 cristaux là. Pas besoin de 3. Là, je vais faire le sort de extracteur de mana que je vais mettre là. Mais en fait, pour l'extracteur de mana, je crois que ça l'extrait de certains trucs spécifiquement. Ça l'extrait de quoi? Et il faut mettre des cristaux en fait pour extraire la mana. Et ça, c'est pas évident. Voilà, pour l'instant, je dois les vendre. Surtout parce que j'ai besoin d'explorer encore. Hein. Franchement, le jeu, il est très prenant. C'est assez addictif comme truc. Nouvelle potion. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre quoi? Alors, le truc qui augmente la population, ça peut être intéressant. Ça augmente la population d'un village. En l'occurrence, mon village de la forêt. Et ça me permettrait de d'avoir un slot supplémentaire pour des nouveaux trucs. Ça peut être bien, ça. Pour commencer. L'herbaliste, ça peut être bien aussi pour avoir plus d'ingrédients, des plantes, etc. Mais je pense que pour l'instant, je vais commencer avec ça. Ok. Ah, voilà. Donc, on a le conseil du destin. Et toutes les nuits, il nous envoie des quêtes. Et si on arrive à les faire, les quêtes, bah, ça nous permet de gagner des petites choses. Donc la première quête, c'est... on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut essayer de créer un familier. Mais il faut mana, reagents, bref, ça demande beaucoup de choses. Lui, il faut le taper avant la nuit. Hein. Sinon, on va se recevoir des dégâts. Mais par contre, voilà, on vient de recevoir un dégât. Quoi qu'il arrive. Par contre, ça m'a donné un sort qui me permettrait éventuellement de me healer. Mais bon, pour l'instant, on va pas le faire. On va attendre. Les sorts, je les mets un peu tous du même côté. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, le dépôt de cristaux. On va récupérer plus de cristaux. Moi, il me faut le Summon Familiar. Donc, il me faut mana. Il faut combien de cristaux? Il faut 3 cristaux pour le mana. Ah, c'est compliqué, là. Un réagent. 3 cristaux pour mana. On est obligé, hein. Et je vais vendre le Silver Sage. Je pense que je vais le vendre parce que j'ai besoin d'explorer. Allez, hop. Oh! Une nouvelle région, là. Plains. Mais il me faut un beacon pour... Attends, après je ferai le reste. D'abord, on crée notre familier pour avoir la récompense de quête. Une potion. Et je vais pouvoir... Bah, peut-être ça, là. L'herbaliste. Pourquoi pas. Je veux bien. Donc, on a le familier qui sera créé bientôt. Ça, il faut des cristaux aussi, hein, franchement. Hein. C'est dur au bout d'un moment. Silver Sage, on va mettre ça là. Alors, c'est comment pour... il me faut un Moondrop pour... un Moondrop pour faire grandir ma population. Plus de 3 choses. Tiens, encore une quête. On va tout mettre ici. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut que je lui amène 2 réagents. Bah, j'en ai qu'un seul. Pour l'instant. Il faut que j'explore. Oh, donc là, j'ai la récompense pour le familier. Pour ma première quête, et ça me donne de nouvelles cartes, dont des Moondrops. Les moondrops, on les utilise surtout, et il m'en faut 3 pour créer des beacons et donc créer des nouveaux villages. Mais pour l'instant, je vais l'utiliser pour autre chose, moi. Je vais l'utiliser pour l'instant pour grandir ma population. Un réagent aussi. Et The Witch. The Witch, please. On y arrive, on y arrive. Lui, il veut quoi? Il veut deux... Ouais. On va voir. Donc d'abord, j'enlève le mana extractor, je mets ça là. On va augmenter notre population. Et il faut que j'explore. Mais pour explorer, comment fait-on? Il va falloir que je vende les cristaux. Hein. J'ai pas le choix. Hein. On va vendre le cristal. Ah, peut-être un seul pour l'instant. Et on va explorer. Allez, vas-y. Trouve-moi quelque chose de bien. Allez, une nouvelle région. La région, c'est bien, hein, je dis pas, mais... Encore une région. Franchement, on manque pas de région, là, au bout d'un moment. Ouais, heureusement, il y a le dépôt de cristaux. Ça, c'est bien. Nouvelle potion. Et qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ça, ça sera bien. Donc ça, c'est... C'est une carte qui va me permettre de créer une carrière de cristaux. Et donc, je vais pouvoir miner des cristaux à partir d'une ville. Ça, je veux bien. Mais il me faut 4 cristaux d'abord. Hop. Je vais mettre ma bonne dame. Ah, on a une nouvelle quête. Ouais, ces deux-là, je vais les mettre de ce côté-là. Hop. Et c'est quoi cette quête-là? Il veut quoi? Que j'amène 2 cristaux? Ça viendra. Et les réagents, c'est pas pour tout de suite. Hein. Franchement, j'ai plus de sous. Alors, ça, je vais mettre donc là, avec les cristaux ici. Comme ça, ça se mettra automatiquement dessus. Et le mana extractor. Ok, donc ça, c'est bon. Par contre, donc ça, j'ai plus besoin tout de suite. Le Herbalist Spell, pour l'instant, je peux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais vendre? C'est le Celestial Dew, je pense que je pourrais en avoir besoin. Donc, ça me fait trop peur de le vendre pour l'instant. Ouais, c'est un peu hard, là. Je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Pour les réagents, par exemple. Donc oui, il me faut de l'argent. J'ai pas d'argent. Il faudrait que je vende 2 choses. Bon. Lui, il voulait 2 cristaux. Bah voilà, c'est fait. Et donc, Moondrop, Stardrop Coin, c'est pas mal. Et le Moondrop, je l'utiliserai tout à l'heure. On va le garder précieusement, hein. Précieusement. On va vendre donc la plante et on va explorer. C'est parti. Ouais, là, je pense pas qu'on va avoir des réagents. Pas 2 en tout cas. Ouais, ça c'est non. Dommage. J'en ai pas assez. Donc, j'en ai pas eu assez. J'ai une nouvelle quête. Donc, ça, j'aurais aimé où c'était. Plus ou moins. En fait, je peux mettre en pause les productions, mais je vais pas le faire là. Ça, c'est quoi? C'est battre un ennemi. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas d'ennemi. Voilà, hop. Alors, j'ai pas mal de cristal que je pourrais dépenser pour explorer, que je pourrais également dépenser pour créer des choses. Mana... dans les sorts, il me faudrait aussi le Beacon Spell. Attends. Ce serait celui-là. Pour pouvoir créer donc des nouvelles villes, il me faudrait 3 Moondrop et la sorcière. Donc pour l'instant, on va pas le faire, mais c'est bon à savoir. Ah bah, il était là. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il fout là. On va vendre donc les cristaux. Et on va explorer. Très addictif hein, le petit jeu quand même, hein, mine de rien. Au bout d'un moment, On va mettre ça avec les autres. On essaye de ranger du mieux qu'on peut, hein. Dis donc, il y en a combien? Ah, les ruines, attends, il faut les explorer, les ruines. Maison pour les familiers, pas encore. Peut-être un training camp. Ouais. Pour s'entraîner. Ça peut être bien, peut-être. Mais il me faut des void salts, donc déjà il me faut un ennemi. Et des cristaux. 3 cristaux et des ennemis. Voilà. Alors. Ouh, c'est quoi ça? Donc c'est la pleine lune. Et on a une quête spéciale de 20. Il faut que je mette 20 pièces dorées. C'est énorme. J'en ai une seule. C'est hard là. Et ça, c'est l'ennemi. Ouais. À voir. Les réagents, je les mets. Je vais vendre du cristal hein, pour l'instant. Il me faut encore un au moins. Voilà, et hop. On va explorer. Les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour l'instant, on peut rien faire. Tiens, le Voidling, donc je peux le taper. Soit moi-même, soit le familier. Moi, je pense qu'on va envoyer le familier. Il est où le familier? Il est là. Il a une d'attaque et 2 cœurs. Donc là, il va lui rester un seul cœur. Donc Void Salt. Donc c'est pour créer donc, mon camp d'entraînement. On va le faire tout de suite. Et donc on a eu la récompense pour la quête parce qu'on a battu un méchant. Voilà. Très bien. Lui... Ah, les familiers, ils peuvent travailler aussi. Ça, c'est bien ça. Ils peuvent aussi bosser, c'est génial. Je veux également un truc pour faire à marcher, pourquoi pas. C'est dur la vie, hein, au bout d'un moment. Herbalist spell, training camp. Alors ça, il faut avec un familier et une mana pour créer un guerrier. Ah ouais. Et une mana. Non, il faut plus. Qu'est-ce que je loupe là? Familiar and a mana to create warrior. Ah, il faut que je mette ça dans un village, ok. Tant que c'est pas dans un village, ça marche pas. Ok. Voilà, donc ça va entraîner un guerrier. Franchement, ça serait bien que je puisse faire grandir encore la population. Je pense que je vais dépenser un de mes moondrop quand même, hein. Et un réagent et la sorcière. Allez, vas-y. Donc on a un guerrier, c'est pas mal ça. C'est quoi ma quête maintenant? Donc il faut que je fasse... il faut que je fasse un sort qui crée un bâtiment. Et ça me donnera une récompense. Ok. À voir. Donc là, c'est bon pour le truc de population. Du coup, ça m'a fait la quête. Youpi. Et on va enlever le training camp et on va du coup augmenter le niveau de population. Alors, là par contre, moi j'ai besoin de... Ouais, on va explorer. Je vais encore dépenser de l'argent, mais on a besoin... Ah, donc il y a un méchant là. On va le taper. Je vais mettre le training camp et le mana extracteur à leur place. Mais je pense que je devrais créer soit un marché, soit un truc d'herboriste. Moi, je pense qu'on va créer un truc d'herboriste. Il me faut juste 3 cristaux. Donc on va tendre un tout petit peu. Tiens, Crystal Deposit, très bien. Pas cristaux, parfait. On va mettre le warrior qui bosse un peu. Super. Ça c'est fait. En plus il parle. Hein. Ok. Donc ça c'est fait. Et ça m'a fait l'herbaliste. Donc je vais le mettre dans un village. Peut-être pas le truc de mana. Peut-être le training camp je l'enlève. Et je mets l'herbaliste. Et si je mets une silver sage, ça va transformer ça en encore plus de silver sage. Donc ça va multiplier mes plantes. Ça me convient. Ok. Les cristaux, je ne sais pas, est-ce que je les vends ou est-ce que je... Ça, je n'ai plus besoin pour l'instant. Donc, je vais me débarrasser de quelques cartes. Beacon Spell, j'en avais déjà un. Je ne sais pas pourquoi j'en ai repris. Le familier, je le garde pour l'instant. Le truc de mana extracteur, j'en ai pas besoin. L'herbaliste, pareil. Le marché, par contre, il faudrait que je le fasse. Il faut 3 cristaux. Ça pourrait me servir, hein. Un Star Drop Coin et la sorcière. Ok. Bossez un peu, mes chers. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle quête? Alors, lui, il veut 2 réagents. Mais j'en ai qu'un seul, moi. 2, je sais pas si ça sera possible, hein. Alors le marché, en fait, il faut que je le combine avec un familier et une mana en plus pour créer un marchand. C'est pas donné. Mais ça va dans des villes étrangères et ça peut être intéressant. Donc pour l'instant, moi, je peux pas faire grand-chose là. Je vais quand même explorer. Et je vais du coup choisir le Familiar Home Spell. Ça pourrait m'intéresser plus tard. Voidling, on va le taper. Et on va aller... Hein, je vais le laisser bosser un peu. Le gars. Donc là, je peux cliquer sur, sur la sorcière pour la trouver. Hein. Si je veux trouver la carte, je peux. C'est bien. Barons, j'en ai déjà. Encore une quête, mais il y en a combien? Attends que je vende ça. J'ai pas de réagent. Je n'ai pas. Il faut que je fasse un nouveau familier. Mais moi, je veux bien en vrai, parce que ça me servirait à créer le marchand. Il me faut juste mana. Donc, il faudrait que je... Pour extraire mana, il faut 3 cristaux quand même. C'est pas rien. Ok. Et en plus, réagent 1. Ouais, c'est pas donné. Hein. Silver Sage, j'en ai de plus en plus. Bon, les réagents, je vais les utiliser, tant pis. Tant pis. Ah, il va y avoir une attaque. C'est une lune pleine ce soir, donc il va y avoir une attaque, il faut qu'on fasse attention. Voilà, on a fait notre familier. Je vais enlever le mana extracteur et je vais le transformer en marchand, lui. Ah, il me faut une mana aussi. Ah bah oui. Ah bah non. Attends un peu alors. Le mana extracteur, t'es où? Parce que je t'ai enlevé. Je vais te remettre 3 cristaux, s'il vous plaît. Une petite mana. Eh bah tiens, j'ai les moondrops là. J'en ai 3. Donc maintenant, on pourra faire un nouveau village. Faut juste que je mette la sorcière dessus. Je vais faire un beacon. Et on va faire un nouveau village. D'abord le marchand. Alors, attends, je me fais attaquer là, non? The Void moves against you. Oh non! Oh non! Le Void Rift. Bah attends, ça risque d'être plusieurs même. Tiens, j'ai le merchant. Il est trop mignon avec toutes ces pièces d'or. Oh, qu'il est chou! Bon, bah j'ai un marchand. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer? Par contre, à mon avis, non. Ça fait quoi, ça? Ah, ça améliore les cartes d'exploration. Et ça te permet de trouver des nouvelles choses. Yeah! Mais il me faut Moondrop. Et Mana. Ouais, c'est pas gagné parce que j'ai déjà dépensé tous mes moondrops sur le truc de beacon. Alors, on va taper là. Je sens qu'il va me falloir Healing Touch tout à l'heure, mais j'ai pas les réagents. On va explorer d'abord vite fait avec le marchand. Elle va taper. Lui, il va taper. Hop. Voilà. Et avec elle encore. J'ai des réagents. Youpi. Donc, il va falloir qu'on se heal quand même au moins moi. Et 2 Silver Sage, je crois. C'est ça, hein. Ah, on a trouvé une nouvelle ville. On a trouvé une nouvelle ville que l'on peut explorer, mais seulement avec les marchands. Heureusement, j'ai déjà un marchand. C'est top, ça. On va pouvoir faire du commerce, du coup. Ça, j'aime bien. Alors, je me suis healée un peu. C'est pas mal. Lui, par contre, il est malin. Il n'est pas en forme. Beacon! Je vais pouvoir créer une nouvelle ville. Qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci? Ça, c'est une bonne place pour s'entraîner. Pour faire probablement des guerriers. Les montagnes pour beaucoup de cristaux. Ça peut être bien. Les plains... Il y a mana ici. Bon, en vrai, mana, j'aimerais bien. Donc je mets juste un beacon, c'est tout. Et il me faut la sorcière, je suppose, quand même. On va en faire un bon village, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Rock Glam. Ah, c'est des trucs qu'on peut vendre. Et ça me donne des sous. Yay. Alors, Plains Village. Donc on a un nouveau village. Donc, il faudrait quand même que je mette mon mana extractor ici. Donc ça me donne plus de production de mana. La mana sera produite un peu plus vite. Voilà, on va rajouter des choses. Ouh, une nouvelle lettre qui vient de la maison pour me dire quoi? Il m'aime, c'est ça? Ah. Quelque chose par rapport aux fées. Mais moi, je suis en train d'établir contact avec les fées, là. C'est pas ça, les fées? Si. Je suis en train d'établir contact. On va devenir les meilleurs copains du monde bientôt. Calmez-vous. On va vendre ça. On va utiliser aussi le truc pour la potion. Le Golden Quest, hein. Lui, par contre, je sens qu'on va pas le faire, hein. On va pas avoir assez de sous assez rapidement, à mon avis, hein. Ça va être triste. Je pourrais vendre les Void Sals aussi, hein, et quelques Silver Sage en vrai. Hein. Et si je vends presque tous les Void Sals et une bonne partie de Silver Sage. On y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me faut encore 5 sous. Qui a 5 sous? Filez-moi 5 sous. J'ai pas envie de dépenser mes trucs. Je les aime bien. Je ne sais pas. Je vais vendre 2 de ça. Il me faut encore 3. Je mets tout ça sur la quête. Voilà. Oh, allez, je vends les cristaux. Ça suffit. Hop. On est bon. Je l'ai eu. Et en fait, ça me donne un familier spécial. Oh, trop bien. Trop bien. Donc, c'est un familier qui a été envoyé par le Conseil des Destins. Ok. Et il a 8 points de vie. Ah bah, je l'aime bien celui-là. Hein. C'est pas mal. Hop. Franchement, le jeu, il est très chouette, sachant qu'en plus, il a été entièrement dessiné à la main. Hein. Chaque carte a été dessinée à la main, d'après ce que j'ai vu. Franchement, il est très joli et très prenant, très addictif. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour la découverte de ce très joli WitchHand. Plein d'événements, plein de choses. J'aime bien en plus tout le côté magique. Si vous avez aimé Stacklands, je pense que vous allez trouver un nouveau coup de cœur avec ce WitchHand. N'hésitez pas donc de voir par contre ma vidéo de Stacklands si vous ne le connaissez pas encore, parce que c'est un très bon jeu également. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis sur ce joli jeu qu'on vient de découvrir en commentaire de cette vidéo. Et si vous l'avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Des bisous en pixels, ciao ciao.